Que l'argent fait le bonheur, monsieur. Dégage. Ah, sympathique. Belle ambiance, Paris, on aime, Beaubourg. Oh ouais, ça suffit. Ah, c'est mon anniversaire en plus. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Oh ben, je vous laisse, monsieur, excusez-moi, je suis attendu. Vous allez voir qui, là? Oh ben, Super Nana vient me voir. C'est une pute ou... Ouais. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de filles qui demandent 30, 40 euros comme ça. Ah, pour 40 euros, là? Oui, oui. Pour une heure. C'est pas vrai. Monsieur, bonjour. C'était moi, là. Sale con. Oh là, non, monsieur, quand même. On s'entendait bien depuis le début. Comment faites-vous pour faire un boulot aussi con? Je trouve ça plutôt intéressant, mais... Moi, je suis de 67, j'ai quitté 50 ans. 94. Ah ouais, 94, vous êtes tout jeune. Moi, ouais, plus jeune que 51 ans, j'ai 24 ans. Ouais. J'ai commencé à travailler à l'âge de... Moi, j'ai commencé là, il y a 19 ans. Alors, en 1979, j'ai commencé à travailler. Moi, du coup, c'est en 2015. Ah, voilà, de 2000, voilà. Et je me suis plus arrêté. Je continue là. C'est bien, il faut. Ouais. C'est le nerf de la vie, hein. Il faut travailler, il faut se lancer dans la bataille. Il faut, ouais, faut, pas, faut pas lâcher prise. Quoi. Pas. L'agencement, nous on appelle ça un réglage. Un réglage? C'est un réglage. Là, je suis bien réglé là. Oui, tu es bien réglé. Mais le réglage, c'est que bon, voilà, tu es un peu en... En quoi? En light, réglage en light. En basket. Ah, basket, j'aime bien. Oui, tu es en light, parce que... Ça, c'est un style, un bachelor, il a validé ça. Oui, non, bachelor peut valider, moi je ne peux pas valider. Pourquoi? Parce que je ne valide pas, moi. Toi, tu ne me valides pas, là? Non, je ne valide pas, monsieur. C'est dans le sang, la sapologie, c'est comme ça. Ou on le fait, on ne le fait pas. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Ça, c'est le sapologue qui parle, le créateur. Regarde les couleurs, regarde. Il n'y a pas le coriandre. Regarde. J'avais fait tous les efforts. Il n'y a pas la coriandre. Tu vois, ça correspond pas. La voiture est neuve, mais les pneus sont... T'as une voiture neuve, sauf et les pneus sont vieilles. Putain de vieilles. Est-ce que Mimati est vraiment naine ou elle est accroupie depuis des années, quoi? Qui? Mimati. C'est qui? C'est une personne qui me fait croire, enfin, qui est potentiellement naine, en fait. Mm-hmm. Et on sait pas si elle est naine ou alors si elle est accroupie depuis des années et qu'elle fait semblant pour réussir, quoi. Ah ouais. Bah oui, je pense que... Ça aussi qu'elle était sévère. Qu'elle a accroupi. Ouais, peut-être. Ouais. Ça. Oui, je crois un peu dans cette théorie des complotistes. Ouais. Ouais. Vous pensez que c'est une théorie du complot? Je pense. C'est faux, quoi. Je peux y aller si ça ne dérange pas. Ah, merci. Vous me faites peur là. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un spasme. Fumez-tu? Bien sûr, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Et manger des produits laitiers. C'est clair. Tu veux un joint? Tu veux un pétard? On va se calmer quand même. Ouais. J'ai pas la parce que lui, petit à petit, il est en train de péter un plomb. Tu peux enlever de la main de tes couilles, s'il te plaît? Ouais. Non, juste la main de tes couilles. Bonjour. Que... Ça va? Ça va. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça dépend. Je suis solidaire avec les pauvres. Ouais, nous aussi. Ouais. Ouais, c'est normal. Hein. Il y en a qui vivent, quand on voit les gens dans la rue comme ça, ouais, c'est affreux. Ouais. Donc vous faites quoi du coup pour ça? Je leur donne. Ça la main quoi. Deux, trois. Voilà, ouais. Petit coucou, salut. Ouais, voilà. Salut. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Bah, c'est tout à fait normal. La femme, c'est l'égale de l'homme. Ah ouais? Ah bah oui. Pourquoi? Pas. Comment ça? Pas total. Enfin. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces propos là? Non mais. Si. Alors, vous pouvez pas me dire pourquoi l'homme n'est pas. La femme n'est pas l'égale de l'homme. J'ai jamais dit ça moi. C'est vous qui le dites. Non. Pourquoi la femme n'est pas l'égale non. de l'homme? Pourquoi vous avez dit? Non, ah, moi j'ai si, pas si, dit. Ah bah si. Ah je l'ai pas dit. Ah bah si, au début. Hein. Non. Si. Mais là par contre, pourquoi vous vous posez la question? C'est bizarre de poser la question. Ah, parce que vous me posez la question et vous m'avez dit, ah bon, vous croyez? Ah non, moi je parlais du droit de vote et vous m'avez dit pourquoi la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et des religions, pourquoi la femme n'est pas l'égale de l'homme? Ah. Pourquoi vous pensez que la femme n'est pas l'égale de l'homme du coup? Là, je crois que ne comprend rien. Mais non, mais vous me dites pourquoi? C'est un peu bizarre. Vous ne pensez pas qu'on n'a pas un peu trop donné aux femmes peut-être? Ah bah ça y est, il recommence. Ah, il est vraiment quoi? Sexiste lui. Hein. Mais pas du tout. Il était de la flamme. Pourquoi? De la flamme? Ouais, alors, qu'est-ce que vous en pensez vous? De la flamme? Oui. Regardez, un petit dernier mot là. Je vais faire une petite révolution. Révélation ou révolution? Petite révélation. Vous avez dit révolution? Révélation, oui, j'ai dit. Petite révélation. Vous êtes trompé de mot quoi. Vous savez qu'aux États-Unis, oui.
Les athées ont créé une religion. Les athées unis. Les athées unis. Oui, les athées unis. Et ils seraient juste, les athées unis. Ils vont là, ils vont de leur temple. Hey, les athées unis. Les athées unis. Et entre parenthèses, continue pas dans le journaliste, hein, vous êtes mauvais. Mais alors, très très mauvais. Braqueur sur le bras. Ouais. Du coup, c'est un braqueur. Un braqueur. De banque. Premier jeu de mots. Après, là, j'ai un pouce sur le coude. Donc, un coup de pouce. Là, j'ai Pitt sur le bras, donc bras de Pitt. Et là, j'ai un œuf au plat sur le mollet, donc un œuf mollet, tu vois. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Moi, je suis étudiant. D'accord. Bah, étudie encore un peu plus, ouais. Ouais, je vais peut-être étudier sur le tatouage. Ouais. Ouais. Tu vas faire quoi, là, bientôt ? Là, bientôt, je vais peut-être aller boire un coup. Non, mais comme tatouage. Ah, comme tatouage. Nouvelle idée. Je vais peut-être faire un ton sur le pied pour faire un piéton. Ah ouais. La mort ? Ah bah, j'y ai échappé deux fois. Non ! Si. Comment ? La première fois, un infarctus violent à 36 ans. Mmh. Et la deuxième fois, c'est mon chat qui m'a sauvé. En fait, j'étais en train de me pendre. Et puis, il y a mon chat qui est arrivé dans le bas de l'escalier. Il m'a regardé, c'est un Maine Coon. Donc, il a des yeux très ronds. Et il m'a regardé. Alors, je me suis dit qu'il va nourrir le chat. Donc, du coup, j'ai retiré la corde et je suis descendu. Non. Si. C'est pas vrai. Si. Du coup, qui a nourri le chat après ? Ah, ben moi. Ah, c'est vrai, ouais. Et là, il est encore en vie, lui ? Ah oui, non, il est mort. Manitou est décédé. Mais j'ai d'autres chats. Oui. Et il est décédé de quoi ? Il s'est pendu ? De vieillesse. Apprends-moi des mots en arabe. J'ai. Dis Walla. Non mais Walla je maîtrise. Ah ouais, c'est vrai. Je suis né, je disais Walla moi. Ah ouais ? Bonne notion. T'es algérien ? Ma mère, elle m'a dit, je suis né, elle m'a dit dis Walla, t'es né ? Je dis Walla. Bref. Dis Walla. Walla. Ah ouais ? Monsieur, bonjour. Quand ça le combien ? Oh non, oh là c'est agressif, là, franchement. On commence à s'apprécier à la dernière fois. Hein. Comment allez-vous, monsieur ? Allez, on va à la pharmacie. Ah, pardon, merci. C'est pour du Listerine, du coup. Les élections européennes. Hein ? Les élections européennes. Hein ? Les élections européennes. Ouais. Les élections européennes. Ouais. Les élections européennes. Ouais. Les élections européennes. Ouais. Je comprends pourquoi ils kiffent ça, en fait. C'est incroyable, hein ? Incroyable de ouf. En plus, le faire à deux comme ça, c'est mieux. C'est incroyable. C'est des sensations que j'ai jamais expérimentées. C'est-à-dire ? Je sais pas. Le contact comme ça. Tu parles de quoi là ? Ils disent d'être confiné, mais au final, tu vois tout le monde dans la rue. Effectivement. Pourquoi je resterai confiné en fait ? Bonne question. Pour le virus, pour pas le choper. Est-ce qu'il existe ? Bonne question. Ah oui. Et on déconfine. Au bout d'un mois, on dit de rester chez nous. Et un mois après, on dit allez, tout le monde peut sortir. Je sais pas pourquoi en fait. Bonne question. Le virus, il est parti d'un claquement de doigts. Bonne question. Bonne question. Pourquoi on nous dit de rester chez nous et d'un mois après, on dit vous pouvez tout sortir ? Bonne question. Faut-il rester deux mois chez vous et d'un coup vous dites sortir ? Bonne question, il est passé où le corona ? Bonne question. Voilà. C'est la nature qui reprend ses droits. Hein. Mm. C'est quand même un virus qui est d'origine naturelle. Hein. Enfin, bonne question. Sans être complotiste. Hein. Ouais. Bon. Ça fait, fuck you. Pardon ? Fuck you, Nico Monk. C'est-à-dire ? C'est-à-dire nique sa mère. Mais pour quelle raison ? Voilà. Ben parce que nique sa mère. Voilà. Jésus-Christ. C'est vrai, il s'est pas fait clouer au sol pour rien. Ouais. Il s'est fait clouer au sol. Marie, elle s'est fait bien baiser. Elle a traversé la Méditerranée, elle est arrivée en cloque. Voilà, c'était de sa faute. Hein ? Alors, on va arrêter de raconter des salades maintenant. Faut la vérité, quoi. Faut la vérité, frère. La vérité, je sais pas si elle est bonne à dire, mais bon, faut qu'on la dise quand même. Voilà, pourtant, je suis alcoolisé, hein, frère. Ah, vous buvez de l'alcool, j'avais pas vu. Je sais, oui. Des fantasmes, ouais. Je m'en souviens plus. Pourquoi ? Ça s'oublie, quand une fois que c'est fait, ça s'oublie. Ah, vous avez réalisé des fantasmes alors ? Oui, je sais même plus lesquels. Pourquoi ? Parce que ça part, en principe, d'un fantasme. Ah ouais, mais vous avez déjà eu des fantasmes, quoi ? Oui. Et vous avez déjà réalisé ? Oui. Comme lesquels, par exemple ? Je m'en souviens plus. Pourquoi ? C'est plus un fantasme, on s'en souvient plus. Je comprends pas. On s'en souvient plus de son fantasme. C'est-à-dire ? Je m'appelle Simon Philippe. Oui. Je suis en semi-liberté, je sors demain de prison. Vous avez fait quoi ? J'étais à Rosny-sous-Bois, je louais une chambre à un marchand de sommeil. Ouais. Qui m'a pas ouvert. J'ai défoncé la porte et je lui ai frappé. Et il a porté plainte. Et j'ai fait 6 mois par défaut parce que comme j'étais en instance de divorce, ah ouais. Je n'avais pas tous les courriers. Mais vous l'avez frappé beaucoup ? Ouais, je lui ai arraché l'oreille. Ouais. Ah ouais.
ça leur a pas plu à la justice. Ouais, non, c'est pas totalement autorisé, je crois, sur le continent de... Ouais. Ici, vous pouvez ? Non, pas spécialement, ouais. Mais je suis pas un mec violent. Hein. Ouais, non, une oreille. Mais pas... de nerfs. Ouais, une oreille. L'oreille est partie, ouais. C'est-à-dire que quand il se rase, il voit son oreille. La moitié qui est arrachée. Mais je suis pas un mec violent. Non, non, mais, non, mais ça n'a pas l'air. Bonjour. Comment ça va ? Merde. Ça fait longtemps. On parle du port du voile, c'est hyper important. Est-ce que vous avez deux petites minutes ? La technique de la boulangerie, incroyable. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez deux petites minutes ? Aïe, oh. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas vu que c'était la même personne que tout à l'heure, désolé. Et nous, on parle de l'alcool aujourd'hui, donc ça de l'alcool ? Non, de l'alcool. Ah non, je vois pas l'alcool, je vois pas l'alcool. Non. Du fenouil, non, non, peut-être Du ? Du fenouil, c'est bon le fenouil aussi Ah non, ça m'intéresse pas. Hein. Ça mais par contre, à la limite, peut-être du réglisse, manger du réglisse ou des choses non alcoolisées. Il peut y avoir des l'alcool non alcoolisé, hein, ça existe. Hein. Vous buvez jamais d'alcool ? Non, non, peut-être du pamplemousse, oui. Pamplemousse, c'est un peu... C'est fort quand même. C'est fort le pamplemousse, c'est vrai. C'est pas... Et puis le citron aussi. Ouais, c'est fort aussi, c'est acide. Pour se laver les dents, le citron, c'est mieux. Je me demande si les gens boivent de l'alcool, plus du café peut-être. Ou du lait. Du lait, oui. Ouais, avec le cornflakes, c'est vrai, ouais, je préfère aussi. Le cornflakes. L'alcool, je crois que de moins en moins les gens boivent de l'alcool. Depuis qu'il y a eu le Coca-Cola ou d'autres boissons. Ah ouais, vous pensez que. Ils boivent d'autres boissons. Même les boissons gazeuses, ils ont fait un Coca-Cola non gazeux, pratiquement. Il existe. Hein. Ils ont fait un Coca-Cola non gazeux ? Bah, il existe, le Coca-Cola. Dès qu'il commence à être moins gazeux, il ça peut être un Coca-Cola non gazeux. Oui, mais ils ne le vendent pas de non gazeux, quoi. Non, non, ouais. Mais ils ont pu le goûter, non gazeux. Oui. Ça peut être goûté. Ouais. Mm. Ils devaient faire venir justement des musiciens de toute l'Auvergne, et apparemment, ça s'est pas fait. Toi, l'Auvergnat. Ah, je suis pas Auvergnat, moi. Ah, okay. Vous êtes Auvergnat, vous ? Non, mais la chanson, Toi, l'Auvergnat. Ah, je sais pas, il me semble justement, c'est Fernand Reynaud qui a écrit cette chanson, il me semble. Toi, l'Auvergnat, qui sent ? Je sais pas, ça m'intéresse pas de chanter. C'est pour. C'est chanter, hein, c'est bien. Ouais. Pour quelle raison les gens boivent ? Je sais pas. Ils boivent plus là, c'est fini, c'est terminé ça. Maintenant, ou alors ils ont trouvé une autre solution de le boire comme un glaçon. Quoi. Vous pensez que les gens ne boivent plus quoi ? Ben, ils peuvent boire moléculaire. Moléculaire, c'est ils peuvent le faire comme une pâte par exemple. Et il y a plus d'alcool. Le Coca-Cola, ils peuvent le faire comme un glaçon par exemple. Et juste un glaçon comme ça et... Faire simplement, vous mettez du Coca-Cola dans un glaçon, vous faites congeler à une température et vous l'avalez comme vous le sucez comme un bonbon. Autant le boire directement, non ? Je sais pas, oui peut-être, mais c'est bien aussi de boire un peu plus dur. Vous pouvez boire comme un café, vous pouvez boire aussi quelque chose de bonbon café. Ah oui, ça vous va bien la cravate hein. Comment ? Ça vous va bien la cravate ? Bah, habillé, vous êtes habillé. Vous bien ? Ouais, je suis habillé. Ça va bien, ouais. Voilà. Vous êtes de Clermont ? Je suis de Clermont, ouais. Je suis pas né à Clermont, mais je suis de Clermont. Ouais. Vous êtes né où ? Je ne sais pas vraiment où je suis né, parce que je suis venu à Clermont très jeune. Mais je sais que je suis né à Clermont, je veux dire, avant j'étais conçu autre part. Clairement. Mais où ? Sur la route d'Auxerre peut-être. Hein. Il y avait des appartements sur la route d'Auxerre à un moment donné, derrière Gersal, c'est bien la route d'Auxerre, Saint-Bosier. Vous écoutez quoi comme musique ? Moi, électronique. Ah, électronique quoi ? Joule. Ah, Joule ? Ouais. Ah, ouais, Joule, j'irais patinoire. Pardon ? Joule, patinoire. Résident ? Résident à patinoire. Il était résident à la patinoire, je pense, Jules. Ah bon ? Il est au pluriel, donc apparemment, c'est un projet. C'était pas attaché au début. C'était DJ Jules, et après, ça, ils ont tout rattaché. Et vous, votre nom de famille ? Giuliano. Giuliano, c'est ouais. Joli comme prénom, ouais. C'est le nom de famille. C'est le nom de famille, oui. Ah, je croyais que c'était un prénom. Non, le nom de famille. Giuliano, d'accord. Bien. Et sinon, vous savez, vous êtes symétré du pied droit ? Vous ? Vous êtes symétré du pied droit, vous le savez ? C'est-à-dire ? Vous êtes symétrique du pied droit parce que vous avez un pied plus fort que l'autre. C'est pas du sport. Vous êtes gaucher peut-être dans le football ou vous faites un sport. Vous faites un sport peut-être de glisse en fait. Non. Non. Ben, peut-être c'est du fait que vous devriez marcher sur une jambe pendant 5 mètres. Peut-être ça vous ferait du bien. Moi je l'ai fait, ça fait. Hein. De combien de verres par jour on est alcoolique ? Je sais pas. Je bois pas d'alcool. Peut-être du citron. Beaucoup de citron. Et du fenouil ? Pas de fenouil. Non. Ah pas de fenouil finalement ? Très rarement. Peut-être une fois par an du fenouil. Mais c'est bon le fenouil à sentir, j'aime beaucoup. Le fenouil, là, j'ai mangé un gâteau hier au fenouil. Le fenouil, c'est l'avant pastis apparemment. Ah, au niveau du goût ? Au niveau du goût. Ah oui, c'est sûr. C'est très bon. Mais par contre, faut pas le mélanger avec la pomme de terre ou. Pour quelle raison ? Parce que la pomme de terre, ça peut devenir après une truffe, plus ou moins, dès qu'elle commence à pourrir un peu. C'est très bon la truffe, moi j'aime bien. J'ai goûté une fois, ça m'a bien. Mais juste à une belle journée. Hein. Ah ok. Là, je laisse ma carte ? Allez. La prochaine fois que je vous vois alors. Pourquoi ? Parce que bah, vous êtes dans le travail, je vous demande la prochaine fois. Non, je veux bien la voir maintenant. Ma carte ? Ouais. Non, non, mais c'est une carte artistique, donc je peux pas, je vous la donne après. Parce qu'après, nous, on part de Clermont, là. On part de Clermont ? Vous allez où, exactement ? Dijon. Dijon, c'est bien, c'est par là, Dijon, là. C'est à côté de... Je peux avoir la carte ?
La carte de... Mmh. La carte de... Je vous la mets dans la poche. Là. Allez. Je suis content de vous rencontrer. Bah, enchanté. Dans le travail, parce que vous étiez en civil la dernière fois, je pense. La dernière fois. Je sais pas, la dernière fois que je vous ai rencontré, vous étiez avec, peut-être avec Liberto, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Ah oui, Liberto. C'est Jean Lamonade. Vous connaissez lui ? Oui, oui, voulez-vous pas y bosser ? Je remets la bonnette ? Non, pas y bosser. Je remets la bonnette ? Si, si, Jean Lamonade. T'as rien alors ? Freestyle. Marco Seinandado non retorna più. Entre lo delle 7:30 senza lui. Ancora di metallo senza l'anima. È un freddo di mattina grigio di città. La scuola è un qualche voto mai che è dentro me. È dolce il suo respiro, fa pensare in me. Distanza non è sembra niente evidente. Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu che penserai. Se con gli amici parlerai. Per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai. E che io non cambierà, non vuoi. La solitudine. No, ma io poi vuoi andare avanti. Ma aspetta, la chanson, frérot. Parle de prostitution aujourd'hui. Très bien. Qu'en pensez-vous? C'est scandaleux. Pourquoi? Non, je vous dis ça comme ça, bah, j'en sais rien. Tu fais quoi exactement? Bah là, des petits micro-trottoirs quoi. Non, exactement, tu fais quoi? Bah des micro-trottoirs du coup. Non, exactement, tu fais quoi? Je peux te passer, hein, tu sais pas. Hein. Tu peux quoi? Je peux te passer, tu sais quoi? Bah je fais des micro-trottoirs quoi. Mais tu fais quoi toi exactement dans la vie? Bah des micro-trottoirs du coup. Non, mais genre en gros, tu... Comment dire? Genre en gros, tu fais quoi? Moi, je sais pas comment t'expliquer. C'est des micros sur le trottoir, quoi. Tu respectes, s'il te plaît. Mais non, mes frères. Regarde, on a le même âge, toi et moi. Il m'a dit, t'as 26 ans, mon frère. T'as quel âge, toi? T'as 26 ans? Ouais. Oh, tu fais plus? Désolé, hein. Je sais. Calvitie ouais. Oblige. Bah ouais. Mais tu connais, frère. Non, mais c'est vrai, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Coronavirus. C'est le vécu, ça. C'est vrai, le vécu? Ça, c'est les bonhommes, mon frère. C'est la rue. Tu vois pas ce que je veux dire? Non, non, c'est juste ta plus de cheveux, frérot. Non, maintenant. Non, mais. Non, mais la arrête, rue, Calvitie. Voilà. Calme ici, frérot. Arrête. Non, mais me dis pas que c'est le vécu. Non, mais tu. Arrête. Non, me dis pas que c'est le vécu. C'est la vie de ma mère. Tu rêverais contours, d'avoir ça. Mon frère, t'as même pas de j'ai pas de contour. Mais non, mais toi, tu peux en faire, t'as pas de cheveux. Mais moi, j'ai des contours, même moi, j'ai pas de cheveux. Moi, demain, je me lève, je fais des contours. Quand toi, demain, tu te lèves, tu peux pas faire de contours. T'es un malade, t'as des gaines, mon frère. On dirait un banquier, voilà, un banquier low cost. Tu es fou. Ouais, moi, je peux la changer. Comment? Je peux la changer, ma dégaine. Non, non, tu peux pas la changer. Si, demain, je me mets en. Je mets comme ça, je décide de remettre à la mode des zooms sans manche comme tu l'as fait aujourd'hui, visiblement. Demain, je le tente, tu vois. Et j'ai des cheveux. Ouais, mais attends, regarde, je vais te dire un truc. Moi, demain, je viens en costard cravate avec une petite paire de chaussures. Tu restes chauve? Mais je reste chauve, mais c'est pas grave, il y a des perruques, frérot. Ah ouais, non, mais alors là, si on va vers les perruques, frérot. Ah mon gars. C'est un truc, c'est-à-dire que demain, je peux te recroiser avec une perruque. T'as tout compris. Là, je te reconnais pas entre interview et tout. Tu me reconnais même pas, tu me dis excuse-moi, t'as deux minutes. Incroyable. Je dis, mais frérot, je t'ai parlé hier. Je me dis, mais non, c'est pas toi. Je dis, ah ouais. Frère, c'est moi. Une marque là, c'est quoi? Ça, c'est une meuf qui m'a griffé. Ok. Je croyais que c'était la police. Non, ça va, c'était bon. Qu'est-ce que je veux dire? Mais t'as griffé pour des raisons... Ah, des raisons. C'était ah ouais des raisons. Ah, c'était torride. Sexuel? Ouais. Travailler ou un peu ou pas? Moi, je travaille pour le royaume de Dieu. Donc j'attends un petit peu... que je rentre dans mon appel et puis voilà. Ça consiste en quoi? Évangéliser, puis sauver les gens, sauver leur âme. Ok. Aujourd'hui, hein, soleil, là. Déjà, ça te prime. Oh là là, les phrases sont atroces, hein, que vous dites à chaque fois. Faut un peu plus de positivisme. Ah, j'étais l'homme le plus heureux du monde, mais depuis que je me suis fait attaquer par le diable et sa corde de démons, ça m'a tué. Je comprends. Le diable et ses démons, ils se sont acharnés sur moi, quand j'en suis là. Mais ils ont fait quoi? Des oppressions. Et comment ça se manifeste? Ils font bouger votre corps, ils utilisent votre voix pour vous parler. J'ai perdu la notion de temps. Je suis allé dans d'autres mondes. C'est la vérité, vous croyez pas. Hein. Ben, je vous crois. Au travers l'esprit. Il y a des gens, ils arrivent vraiment à partir d'autres mondes d'une manière plus avancée, comme les sorciers par exemple, peut-être, en faisant voyage transcendantal, tout ça. Mais moi, j'ai vécu des expériences surnaturelles qui m'ont choqué, qui m'ont traumatisé, et donc ça a tout chamboulé, quoi. Je sais, ça fait peur, mais bon, c'est... Là, ça commence à me faire flipper, ouais, je vous cache pas. Il faut tout pour faire un monde. C'est beau, ces phrases.
Et une meuf qui te plaît vraiment dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Je vais la voir, je vais dire, excusez-moi madame, vous me plaisez énormément. Comme ça direct? Ouais, comme ça. Et ça marche? Ouais, franchement, la plupart du temps ça marche. Incroyable. Ouais. Et là, du coup, t'échanges les numéros? Ouais, t'échanges les numéros. Après, tu dis concrètement ce que tu veux. Tu passes pas par quatre chemins. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, je veux que de la schneck. C'est vrai? Ouais, bah. La dernière fois que t'as fait ça, c'était quand? T'as pris un numéro dans la rue? Tu viens de le faire? C'était il y a 4 jours. Non, c'est vrai? Ouais, 4-5 jours. T'es allé? Ouais, je suis allé. Tranquillement, en plus elle était avec sa fille. Au non. Final, ça s'est bien passé. Elle était avec sa fille? Ouais. Mais mariée encore et tout? Elle était divorcée. Enfin, sur le. Attends, le divorce. T'es allé à Costa Rica qui était avec sa fille? Ouais. Je sais que t'as faim, mais vraiment calme-toi quoi. Le lendemain, je suis allé chez elle, je l'ai baisé. Non. Du coup. Si. C'est vrai? Ouais. Non, le pire de l'histoire, c'est pas ça. C'est que sa voisine. Oui. Elle est venue et c'est parti en couille. C'est-à-dire? C'est qu'elle commençait à me chauffer. Clairement. Au début, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai déjà baisé 3 fois, il n'y a pas de me. T'as gâté. Au final, j'ai cédé. Hein. Non. Ouais. Et, mais t'as cédé. Attends, mais lui, c'est ça, ta vie, c'est un film, c'est pas possible. Là, t'étais en train de coucher avec une meuf, t'avais dragué la veille. Voilà. Avec sa fille à côté. Voilà. Là, je suis la parti voisine, chez comment elle est venue? Le lendemain, je suis parti chez elle. Ok, ouais. Après, ça, en gros, sa voisine, elle est venue. Ouais. Elle a commencé à me chauffer. Mais comment elle est venue, sa voisine? Ah, alors, parce qu'en gros, elle est rentrée dans l'appartement directement. Mais pourquoi? Il n'y avait jamais les voisins qui rentrent comme ça? Ouais, mais c'était en gros, c'est du genre de voisine-copine. Elle monte sur moi, elle commence à me toucher la bite. Ah ouais, d'accord. Il est fou ce gars. Il est malade, ça n'arrive jamais. Non, mais tu mens là. Tu veux le numéro de madame ou. Non, on l'appelle en direct. Allez. Appelle en direct. Je veux la preuve j'ai de même ça. Pas de crédit. Si tu veux appeler ça avec ton non, téléphone. Non, mais c'est fini, ça, j'ai pas de crédit. Ça n'existe plus. Tout le monde a du crédit. Elle est malade, t'as plus de crédit? Non, moi je suis en télé, j'ai pas besoin de attends, c'est-à-dire que t'as un forfait bloqué, genre de nom? Non, j'ai juste une puce, les putes elles m'appellent, c'est tout. Attends là. Ah ouais, t'es chaud. Il veut vraiment. Ah non, mais faut qu'on mène les enquêtes. Comment tu t'appelles toi? Mohamed. C'est incroyable, on est dans complément d'enquête. Tu parles d'abord. Hein. Je ne savais que t'as kiffé hier soir. Enfin, tiens, ta voisine est toujours la force, c'est vrai. C'est bizarre qu'elle nous soit montée dessus comme ça, tu dis. C'est une petite cochonne de base, hein. C'est pas cool. Comme toi. Si tu lui envoies un message et que tu lui dis c'est moi, mais tu penses qu'elle a pleuré. Mec, c'est incroyable. Mec, si ça marche, c'est incroyable. C'est Mohamed. Réponds. Comme ça, tu parles cash, toi. Ouais, réponds. Direct. Vite, ouais. Réponds vite. Urgent. Petite cochonne. Petite cochonne? Ouais. Je mets petite cochonne, là? Ouais. C'est Mohamed, réponds urgent, petite cochonne? Ouais. Ça va jamais répondre. Il y a des gens qui répondent à ça? Des cochonnes, oui. T'es malade, hein? Oui, allô? Oui, allô? Non. C'est Mohamed. Ah, ça va, c'est ouais. Dis-moi, t'es où là? Bah, je suis très très loin, pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais t'expliquer que, ouais. En gros, j'ai toujours faim. Et hier. Faim de quoi? Et faim de qui? Faim de toi. Après, si tu veux ramener. Après, si tu veux ramener, y a pas de problème. Hein. T'as craqué, toi? Pourquoi t'as repris le film, toi? Putain, je suis pas une carpa, hein, je te le dis, hein, je suis pas une chienne, hein. T'as un gros taré, toi. Mais voilà, ça moi, tu peux m'expliquer un truc? Mais, va consulter, moi, je te le dis. Hein. Ouais, moi, je viens de te griller. Tu veux que je t'explique ce qui s'est passé? Vas-y, assume. D'accord, elle a commencé à m'embrasser, puis à baisser mon short, a commencé à me sucer. Ouais. En vrai, j'ai commencé à la retourner, j'ai mis la capote et je l'ai baisé, voilà tout. Attends, mais tu baisses ma mère en pote et en plus, vous couchez avec moi, t'as craqué, toi, ça chien, là. Ouais, mais quand même, dans une émission de télé-réalité. Je sais pas pourquoi pas, mais t'es sérieux, toi? Mais moi, c'est pas de ma faute. Elle m'a dit oui, en gros, on l'a mettait sur ses métages et tout. C'est elle qui m'a trouvé le bras, elle a commencé à m'embrasser et apparemment, elle t'a repoussé. Oh, mais c'est elle qui a commencé à baisser mon pantalon. Moi, de base, j'ai rien fait. Et toi, comme un con, tu t'es fait faire comme un con. Mec, c'est un connard, c'est pas possible. T'as cassé toute ma gueule, en fait. Elle me dit non, il s'est repassé et tout. Mais elle dit non, elle non. Ça chie. Allô, moi, j'ai une question à te poser. C'est nous, dis-le. Là, je vois, c'est le premier, parce que tu vois, ça commence à me foutre de ta gueule, en fait. T'as un gros chien, pas un plan cul, hein. Mais attends. De base, quand je suis venu te voir, je t'ai dit clairement que j'allais pas te mettre la bague au doigt. Tu m'as dit clairement, mais moi, je t'ai pas dit comme ça. Ah, pourquoi, en gros, entre parenthèses, tu voulais pas qu'on soit un plan cul, pourtant que je t'ai baisé pendant 3 jours? Je comprends pas. Moi, je suis gêné, là. Parce que j'avais envie de me faire baiser, c'est tout. Nickel, bon, bah moi, je vais y aller. Hein. D'accord, hein, c'est bon. Bon mot, je te laisse. Je te remercie.
On s'excuse hein, pour le dérangement, on voulait juste une confirmation, mais on... C'est bon, je crois que c'est bon. On en a eu un petit peu plus. On avait une question, c'est parce que Mohamed, il m'a dit, j'étais et quand j'avais fini, il y a qui est arrivé, qui est rentré dans l'appartement ouais. et qui m'est monté dessus. Ouais. Ouais. C'est vrai ça? Ah ouais, c'est vrai. Bah ben, frère, tu te doutes bien qu'il a baisé alors, mais il est malade. C'est pas con, hein. Et bah ben, alors, pourquoi tu croyais qui t'a dit qu'elle l'avait refoulé? Vas-y, je m'en fous, j'ai rien fait de avec elle, j'ai une discussion. Non, ok. Attends, tu vas voir. Mais okay. du coup, moi j'ai... Bon, du coup, est-ce que Mohamed pourra repasser dans la semaine? Pour qui? Bah pour toi. Vous avez craqué, hein, mon mari sort les gens, mon mari sort mardi, vous avez craqué les gens, oui. De quoi? Mon mari sort mardi, vous avez craqué, votre de quoi? Non, c'est une blague là, non mais c'est pas possible. Ton mari vient quoi, mardi? Son mari sort de prison mardi. Non. Son mari est en prison, je te dis. Oh non, mais non, mais là, moi je vais pas diffuser ça, elle est malade ou quoi? C'est une blague? Mais tu m'as dit qu'elle était divorcée? Non, sur le coup du divorce, mais pas encore. Ah, tu m'as pas dit ça? Je t'ai dit que j'aime bien les femmes mariées, les. Non, mais les t'es un ouf, toi. J'aime tout, moi. T'arrives dans des ennuis, hein, je pense. Hein. Et bah, je sais pas si ton mari sort de prison mardi là. C'est problématique, non? Eh? Ça fait une belle jambe, eh? Bah, c'est problématique, non, pour Mohamed qui est passé chez toi avant? Pardon? Non, laisse tomber, hein, laisse tomber. On te laisse. Merci beaucoup en tout cas, désolé du dérangement. Je t'embrasse, mille bises. Ouais, je t'embrasse, on se connaît pas, c'est m'embrasse, c'est dans toi. Non mais c'est une expression, voilà. Faut pas ouais, trop l'embrasser, j'ai rien d'embrasse, ni rien du tout, ni cul, ni rien du tout. Ah. D'accord, merci. On va à plus tard. Comme de chien. Gratte-toi la tête. Parce que je pensais à la diffusion, le mec sort de prison, je peux même pas le diffuser moi, en fait, à part que je modifie la voix et tout. Hein. Oh non, laisse ma tête, hein. Juste tu changes son prénom et ah, mais c'est pour toi, je m'inquiète, c'est pour moi, frérot. Ah, il est malade, lui. Elle a mon numéro en plus. Oh non. Non, elle a mon numéro, il sort de prison mardi. Non, mais tu te rends bien compte, c'est problématique. Allez, je te laisse, mon gros, je vais changer de ligne, ok? D'accord. Merci. Là, par exemple, on fait les dernières recherches, c'est quoi? Algérien beau gosse. Ouais. C'est-à-dire? Non, mais je recherche des... Des agents beaux gosses? Non, mais c'est des potes à moi qui m'ont dit que... Si je voulais comparer entre les Algériens et les Marocains pour voir... Qui était le plus beau gosse? Voilà. D'accord. Et du coup? C'est les Marocains. Qui sont plus beaux gosses que les Algériens? Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Mais si, on dirait que tu viens de faire ta bar mitzvah. Ah oui? Ouais. D'accord. J'adore, mais j'en peux plus pour toi. Bah c'est gentil. J'en peux plus pour toi. Merci à toi. Ah oui, d'accord. Bah moi aussi alors. Cinéma. À la prochaine. Mille bises. A plus tard. De partout. Ah oui, d'accord. Ah non, pardon. Ça veut le panda. Ça veut le panda. Et les gros bras. Le gros panda. Ouais. Dame. Ouais, vas-y. Que tu voles. Tu montes au crâne. Ah ouais. Les gars, attendez. Ça veut le Van Damme. Et les gros bras. Jean-Claude Van Damme. Tu me la bedame, c'est dame. C'est elle qui est bonne. Qui te monte au crâne. Les gars, on le maîtrise, on va le faire vraiment là. Ça veut le Van Damme. Et les gros bras. Jean-Claude Van Damme. Et c'est la bedame, c'est dame. Et c'est elle qui est bonne. Qui te monte au crâne. Ouais. Oh. Oh. Et les gros bras, Jean-Claude Van Damme. La bonne dame, c'est la dame. Et celle qui est bonne, qui te prend ton crâne. Oh, JCVD. Oh. Et les gros bras, Jean-Claude Van Damme. Je me la bonne dame, c'est la dame. Celle qui est bonne, qui te prend ton crâne. Ça veut le panda. Et les gros bras. Jean-Claude Van Damme. Je me la bonne dame, c'est la dame. C'est celle qui est bonne, qui te monte au crâne. Mais on est des artistes. Hey. Et pour moi, Jean-Claude Van Damme. Je me la bonne dame, c'est la dame. C'est celle qui est bonne, qui te monte au crâne. Hey. Et pour moi, Jean-Claude Van Damme. La bonne dame, c'est la dame, c'est celle qui est bonne, qui te monte au crâne. Hey! Van Damme et les gros bras, Jean-Claude Van Damme.
Schwarbe d'Amsterdam, c'est celle qui est bonne, qui te monte au crâne.